Et nous passons au théâtre maintenant, avec une pièce qui se joue au Théâtre des Variétés. Cela s'appelle Les Dégourdis de la 11e, en vedette Darry Cole, mais aussi Robert Hirsch et Pierre Tornade. Et Jean-Claude Darigaud, tout de suite, alors, cette pièce. Alors, c'est un vaudeville qui a été écrit en 1913. Ça oui, c'est pas tout jeune. Non, c'est pas tout à fait tout jeune. C'est l'histoire d'un colonel qui commande une garnison à Bar-le-Duc, dont tout le monde connaît la poésie quand on est bidas. Mm-hmm. Et ce colonel reçoit une circulaire du ministère de la Défense lui disant « Il faut organiser les loisirs des soldats ». Alors, ça tombe bien parce qu'il a une sœur qui est une demoiselle prolongée, parce qu'il est veuf, bon, et il y a sa sœur qui tient son ménage, et elle a une manie, cette sœur, c'est qu'elle écrit des tragédies. Alors, il faut voir les tragédies. Et alors, il dit, ça c'est formidable, ça va me régler mes problèmes de famille, on va jouer la tragédie pour les bidas. Alors, ça marcherait très bien, on organise les rôles, et puis tout à coup intervient un général Aigriard et Kakoshim, joué par Darry Cole, justement. Lui. Alors lui qui va lancer des péripéties tout à fait nouvelles dans cette histoire très marrante. Alors on regarde un extrait de cette pièce au Théâtre des Variétés, tout de suite donc, avec Robert Hirsch et Darry Cole. Bon, voyons un peu ces malins. Qu'ont-ils retenu de leur manuel du soldat Sous quoi une sentinelle ne doit-elle pas s'asseoir? Sous un pomme. Non. Sous la pluie. Vous n'avez pas quelqu'un d'autre? Non, mon colonel. Heureusement. C'est fini, vous la petite. Une sentinelle ne doit s'asseoir sous aucun prétexte. C'est la Columna à la Romana. On l'utilisait pour enseigner la théorie militaire aux jeunes centurions. Voilà, alors, l'une devant l'autre, c'est en colonne par un, côte à côte, c'est en colonne par deux, en les écartant, c'est le parcours du combattant. Et si on les rapproche, nous avons la dissimulation aux yeux de l'ennemi, et inversement, l'observation des positions adverses. Ah! Là, c'est rompu. C'est mon général que j'avais été affecté au Maroc au service de contre-espionnage. Alors, j'y ai appris des techniques de pointe. C'est intéressant, c'est à étudier, ça. J'ai pas bien compris. Écoutez, faites-moi un rapport. Je vais le communiquer au ministère d'ailleurs. Bien, qu'est-ce que vous avez au pied? C'est le Romano Godillot. Je meurs! Il meurt! Il meurt! Darry Cole, d'abord, je vais vous poser une question. Si je vous dis que c'est du comique troupier, qu'est-ce que vous répondez? Ah ben, c'est que vous avez bonne vue. Notamment, c'était pas un film sur la marine. C'est une fantaisie. D'ailleurs, c'est une fantaisie qui se passe dans une caserne. Mais je crois que de nos jours, c'est plus ça. Je crois que ça a bien évolué. Enfin, c'est une odeur, évidemment, de caserne en 1913, 1914. Mais comment expliquez-vous cette espèce de retour de la mode des tourlourous? Parce que vous n'êtes pas tout seul sur le marché en ce moment avec votre pièce. Il y a Prolier qui fait aussi un truc, je crois. Oui, alors pourquoi? Parce que ça date quand même un brin, non? Je ne sais pas pourquoi, moi. Mais ça a commencé, donc vous avez pu constater que ça faisait rire beaucoup. Oui, ah bah oui, les gens adorent, ça c'est une chose, bah pourquoi pas d'ailleurs, c'est plus facile à comprendre que des trucs de l'an 2000 ou de l'an 3000 en tout cas. À qui vous pensez? Je pensais que vous alliez citer là. Non, mais je sais qu'en fait, il y a une ambiance, là, ça sent le crottin, c'est évidemment. Et alors, les dialogues sont des dialogues du fond, qui proviennent du fond de la France, enfin, c'est des dialogues très simples. Et... Enfin, 1913, les tranchées sont pas loin, le pinard et tout ça, vous croyez que c'est un peu lourdingue, comme on pourrait dire? Non, traité comme ça, non, c'est tellement énorme. Non, puis je fais pipi en scène, moi, ça va jusque-là, enfin, c'est bon. moi, je joue le rôle d'un général déglingué qui a 83 ans. Alors ça me change tellement, d'ailleurs dans la loge, quand j'ai fini de me maquiller, de me mettre tous mes trucs, quand je me vois dans la glace, j'ai le sentiment d'être deux, enfin, de voir une autre personne dans la loge. En tout cas, Darry Cole, le public rit, on l'a entendu. Oui. Je voudrais vous poser une question, parce qu'il paraît que vous avez failli vous noyer il y a quelques jours, on a failli vous perdre, c'est vrai? Non, mais c'est une bêtise, oui, non, mais pourtant la piscine était calme. Non, mais c'est vrai ce que vous êtes arrivé? Oui, je nage très bien, toujours bêtement, comme ça, je me suis accroché au bord, j'ai respiré d'un coup trois verres d'eau, j'ai bu une tasse énorme, je me suis énervé, je pouvais pas respirer. Il y avait quatre personnes. Mais non, mais c'était formuleux parce qu'il y avait quatre personnes dans la piscine et j'ai. Alors j'aurais fait. Ils auraient entendu, mais j'ai. Alors j'ai dit, il faut absolument faire des signaux.
que le moniteur vienne, que le machin. Alors, j'ai fait des signaux. Et le moniteur m'a vu, il m'a fait bonjour. Finalement, on vous a sauvé. Dernière question. Oui, une dernière question, Darry Cole. Tous les grands acteurs comiques n'ont qu'un rêve, c'est de jouer la tragédie. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est, si on vous faisait une proposition bien directe, quel personnage de l'histoire vous aimeriez camper ? Polyote, par exemple, parce que c'est pas... C'est un martyr. J'ai envie de jouer des rôles de composition maintenant. Ou Jeanne d'Arc, tiens, Jeanne d'Arc, ça m'amuserait bien. Composition, oui. Pourquoi ? Parce que je suis frileux d'habitude, c'est peut-être pour ça. Merci, Darry Cole. Donc, Les Dégourdis de la 11e, c'est au Théâtre des Variétés.